Ah mais ça met longtemps à démarrer, je me souviens plus que c'était aussi long. Oh ça met un peu longtemps. Moi je la vois up derrière. Allez, allez. Tu putain mère, Farelli, tu putain mère. Boum. Pierre, on a niqué ta mère, fils de pute. C'est toi qui pue ta schneck maintenant, connard. Ça pue sa mère, vengeance. Ouais, je t'ai vu B2O. Ça pue sa mère. Oh, le coffre. Ça pue sa mère. Tu mets un gilet pare-balles, ça pue sa mère. Oh, merde. Oh, musique du sec, m'empêche. Hey, salut tout le monde, c'est Zone Peace et on se retrouve pour l'épisode 108, 109, je sais plus, de Rock Kingdom, c'est peut-être même le 107, en compagnie de Firecrox. Bonsoir. De LPR 36L. Ça pue sa mort. Et de Nashi. Alors, Nashi est un abonné qui aime le chocolat apparemment. Et... les caramels. Oh putain, il y a l'île. Hein. Et. Oh putain, tu sors ça comme ça là. Bon, et il nous a aidé à finir l'instance, donc comme vous avez vu, on l'a niqué avec ça pue sa mère derrière. Attends, c'est de base. Attends. Ça pue sa mère, on lui a niqué sa mère. Voilà. Donc, vous avez eu ça juste avant là. Maintenant, on va reprendre. Alors, avant ça, on en était. Il y a des gens quand même qui font cette instance. On était à donner l'arme d'Arès à Léo. Ah oui, c'est vrai, c'était la fin des, oui, des bah quêtes. Oui, moi j'ai déjà tout rendu. Je peux déjà aller voir Nibel. Ah, puis après c'est la dernière zone. Ah oui, donc on sait quand l'histoire se finit. Apparemment, l'histoire se finit aux zones 50-55. Du coup, la prochaine zone sera la dernière de la série. Franchement, ça va me manquer de terminer ce jeu. Franchement, voilà quoi. Là, tu m'étonnes carrément. Juste avant, il m'a envoyé un message. Ouais, c'est fini, Rock Kingdom. Qui t'avait croire ça? Non, mais t'as même pas de tu fais. Alors, attends, et tu me dis, attends, il faut chercher une musique pour signifier la fin de Rock Kingdom. Et t'as pris, ça pue sa mère. Et pourquoi t'as pris, ça pue sa mère? Parce que. Oh. Ah, c'est ta musique là, c'est ta musique préférée là, ça pue sa mère. Ouais. Ah, ouais, attends, que... t'as pas à dire ça pue sa mère. Puis voilà quoi. Allez, où sont les larmes d'AS? Vous avez réussi? D'accord. What? Je me pipe et pomme une hache à ta tête. Mais attends, mais. Non, tu déconnes, j'ai plus les larmes d'AS. Non, mais reprends la quête. Moi j'ai zéro, hein. メモ閉じて描く空君の声いつだって聞こえてるこの胸に縛られた世界と描いて
se retrouve après une petite ellipse parce que j'ai perdu l'objet de cut, je sais pas où il a disparu. Et du coup on va pouvoir le rendre à Leo Ryan. Mais c'est voici les larmes d'Arès. Comment les avez-vous obtenues? Vous expliquez à Leo Ryan ce qui s'est passé dans le temple d'Arès. Tandis que vous parliez, toutes les personnes présentes semblaient abasourdies. Dans le temple d'Arès, on s'est fait défoncer le cul, c'est tout. Gulli, amenez-les à Paolo et dites à Paolo et faites en sorte qu'ils les prennent. Paris convoque tous les ministres. J'ai une annonce importante à faire. Que tout le monde m'écoute. J'ai deux annonces à faire. Leo Ryan regarda toute l'assistance d'un air grave. Toute la cité, wesh. Moi, Leo Ryan, abdiquera très prochainement. Paris, mon second fils, sera le nouveau roi. Tous ceux qui s'y opposent seront considérés comme des traîtres. Alors, attendez, je fais un truc. C'est comme des fils de pute. Imaginez pour les élections. C'est pareil. Quelqu'un veut pas pour moi, c'est des traîtres et j'ai en tôle. Oui, c'est bâtard. Je peux pas l'ajouter. Peut-être que je vire l'autre. Attendez. Comment on fait pour virer une personne? Ah, c'est Firecross. Firecross s'ajoute. Je vais lui dire bonjour à Firecross. C'est vraiment mal. Ah, faut que tu... Mets-moi OP, mets-moi admin du groupe. Yato Gami. Ah, oh, putain, d'accord. Ah, il a des croix comme Ch'tibit. C'est ouais, à cause d'un problème de quoi. Chut. Il avait des croix aussi, Ch'tibit. C'est Chabit. Je sais plus c'est comment ça voulait. Ouais. Lol. Il peut pas. Impossible d'unité. Ah, oh, putain. Est-ce plus lui là? Mais attends, je l'ai guéri. Là. Non, il veut pas. Vas-y, ma stun, c'est PD. Oh, PD! Oh, le PD! Oh, le PD! Mais attends, mais il est en mode duel là? Il m'a tué. Ok. Vas-y, le PD. Père, je ne vous décevrai plus! Zone Peace, avancez, Leo Ryan's vous regarda puis sourit. Vous avez avancé, incliné la tête face à Léo et aux autres comme le font les sabres lions. Par les pouvoirs qui mes ancêtres qui m'ont donné les ancêtres, je déclare que toutes les tribus sabres lions ont une alliance avec les grands vents. Signons aussi une alliance avec la basilique à partir d'aujourd'hui. Attends deux secondes, toi. Aucun de mes successeurs ne pourra renier cette alliance. La foule commence à applaudir à la fin du discours. À ce moment précis, les Ryan s'approchent pour vous murmurer quelque chose. Vous n'êtes pas sabre lion, je n'ai donc rien à vous donner. Mais je veux que vous sachiez, vous resterez toujours le héros de sabre lion. Faites-le savoir à la basilique. D'accord. Merde, du coup j'ai perdu son... Et dans la zone là, y'a Togamit? Oui. Là, c'est pour chez la ville là, c'est pour ça. Oh, zone pep! Oh! Ah, zone pep! En fait, on est dans Kill Gate là. Wouah! Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce cheat? T'as vu qu'on cheat? T'as vu ce cheat? Allez là! Cheater! Attends, j'arrive. Ah, de hatch! Il fait mal. Il te two shot. Alors, attendez, parce qu'il faut que je reprenne la quête du coup, là, c'est ce qui se passait. Voilà. Parlez à Nibel. Donc, il faut retourner voir Nibel. Il était où? Bah, vers Leo voilà. Ryan. Bah, ça m'amène vers la ville de Navea, parce que Navea, c'est des PD là-bas. Ça pue sa mère, bon, si. Ça pue sa mère. Plus son père, plus sa sœur. Je suis en 50 ans, Paris, au milieu de la rue, sans plus sa mère. Non, c'est pas ça. Oh, vas-y, attends, je vais te tester. Je me cache. Au revoir. le chargement est assez long. Ouais. Je vais me faire une gorge pour vous. Vous pouvez pas test. Ouais, mais attends, mais il va t'éclater, lui, tiens. What? C'est quoi cette attaque? Mais il t'aide seul après, il te. C'est un truc pour le PVP. Mais j'ai pas compris parce que moi je spammais mon attaque de stun mais il l'a fait quand même avant. Hein.
Alors je sais pas si ça vient de la co ou c'est qui est plus rapide. Ouais, c'est la connexion et puis il cheat en même temps. Voilà. Ouais, et puis la handbot, il fait tout quoi. Voilà. Il est où Nibel là? La gestion de stock de animation des sœurs, donc voilà quoi. Ça rigole pas. Vas-y, on change. C'est qui Nibel? C'est le prêtre? Je sais pas, moi je vais dans la chapelle. Ah non, c'était un autre mec là. Je suis retourné dans la chapelle et puis. Non, c'est à droite, Pierre, tu te souviens pas, tu sais, derrière. On change tout le temps d'abonnés en. Ça m'amène vers le trône. C'est un autre perso ça? Ouais, c'est un. C'est son. Mais, Viral, ça m'amène vers le vieux moi. Alors attendez, je viens de me TP là. What the fuck? D'un coup ça s'est mis à laguer, puis je me suis fait TP au début de la ville. Elle vient de pipe, t'es pas au bon endroit là. Elle vient de pipe, c'était TP là. Elle vient de pipe, il y a un problème là, parce que ça m'appelle dans la chapelle. Comment pas? Ah, il a mis ce qu'il avait en stuff. Le vieux. Ouais, c'est tout PVP. Ouais, c'est des trucs violets en plus. Ouais. C'est des trucs qui piquent. Ouais, mais il a dû farmer je sais pas combien de temps encore là. Nous, on a pas farmé autant là. Déjà qu'on galère à farmer l'XP là. Moi, je suis un peu chat dragonnage. Après, les autres jeux, c'est de la merde. Moi, je farme sur tous les jeux, sauf celui-là. C'est de la merde. Le racisme. Pourquoi il y a un point bleu vers moi là? Pouce rouge. Carte de chapelle. Pouce rouge. Comme il a dit, Pierre, le racisme. Ramsims. Bon allez, je parle à Nibel. L'envoyé de Gaïa peut manipuler. L'envoyé de Gaïa peut manipuler les Edelons créés et formés par le pouvoir de Gaïa. Plus un envoyé est déterminé, plus il deviendra puissant. Comme. D'accord. Caramel. Mais même après avoir été approuvé par les Edelons, de nombreuses personnes continuent de chercher toujours plus de pouvoir. Ouais. Jusqu'à ce qu'elles en arrivent au point où elles ne peuvent plus le supporter. Le prophète soupire comme s'il pensait à quelque chose. Alliance. Vous avez raconté tout ce que vous saviez, tout ce que vous avez vécu dans les prairies. Tu me donnes des trucs violets. Dans les prairies Grand Vent au prophète. Puis avez ajouté que la tribu Grand Vent avait décidé de s'allier à la basilique. Vous avez fait un excellent travail, Zone Peace. J'enverrai quelqu'un assurer nos bonnes relations avec les tribus Grand Vent. Nous avons à présent les meilleurs renforts et tout ça c'est grâce à vous. Je crois pas que tu puisses échanger. Donc la pierre d'invocation s'en tape complètement. En ligne, comme il t'a quoi. Il s'est peut-être TP dans la ville. Ah, pas du tout en fait là parce que moi j'ai plus aucune quête sur la droite. Hein. Alors, si tu l'avais déjà prise. Attends, de Nibel. Ouais, attends. Et va où à côté là. Principal, forgeron. Non. Non, mais Pierre. Matériaux à forger. Non. C'est là. Direction désert sable étoile. Ça. Voilà. C'est ça. Allez, okay. Vous là, venez une minute. Vous avez dit que votre nom était Zone Peace. Moubarak vous jette un regard suspicieux. Oh, je suis baraqué. Ouais. Ah, c'est j'ai ouais, pas. C'est au bac, c'est au barak. Obama. Mais il est pas noir en plus. Vous ne savez pas trop ce que Moubarak veut. C'est des moutons blancs là. Mais vous cherchez encore un moyen de convaincre l'alliance commerciale de Sancti d'aider la basilique. En entendant ce que vous dites, Moubarak part dans un long fou rire. Oh oh oh, Zone Peace, vous ne vous souvenez peut-être pas, mais je tiens à vous remercier. Il m'est souvent arrivé de déposer des bijoux dans la banque de Navia, mais un collier de rubis de grande valeur avait été volé. C'est quoi ce bordel là? Un responsable m'a dit que c'est vous qui étiez allé récupérer ce collier et l'aviez ramené à la banque. Moubarak vous regarde longuement, puis vous adresse un sourire. Vous réfléchissez un moment, puis vous vous souvenez de votre arrivée à Navia. Vous avez aidé Banks, le banquier, à récupérer un collier volé par Eddie Paléger. Ah oui, je me souviens de ça. Vous comprenez qu'il appartenait en fait à Moubarak. Malheureusement, ce n'est pas à moi de décider si oui ou non l'alliance vous garantira un support financier. Je pense cependant que vous devriez vous rendre au désert Sable Étoile et y trouver Morales, le responsable de la subdivision de l'alliance Sancti. Merde. Subdivision.
Il a des petits problèmes en ce moment. Si vous réglez son problème, vous pourrez sûrement recevoir l'aide financière de l'Alliance Sancti. Mais je dois vous prédire, Zone Peace. D'abord, vous devrez garder sa confiance, gagner sa confiance. Un marchand aussi réputé ne fera pas confiance à un étranger sans raison. J'ai un petit bug. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est parti, on va voir la nouvelle zone. Et je pense que ça sera là pour l'épisode. Ouais, elle est sympa. Enfin... Moi je parie qu'elle va ressembler à une zone qu'on avait déjà vue là. Oui, elle ressemble un peu, mais bon. Ouais, c'est l'Afrique. Saga Africa. Celle-là dans ce dos là. Alors, le village, comme d'habitude. Oui, bah ça. Mais en fait, non, ça ressemble à rien qu'on avait vu. Si, ça ressemble à l'Afrique. Je suis pas dans l'Afrique. On se sent. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Nous, il aura duré une heure. Hein. What the fuck? Au calme, voilà. Vous, il aura peut-être duré même que 20 minutes. Alors, tu sais, c'est n'importe quoi. Vous êtes content, enculé, bande de pédés. Vous avez compris? Donc, nous, on se retrouve mercredi pour le prochain épisode de Rock Kingdom. Ciao, bye bye.